Wow. Petite nuit, il est 8h15. C'est reparti pour de nouvelles aventures. On nous a rien volé, les vélos sont toujours là, donc tant mieux. On est reparti direction Angers. Voilà. Bonne nuit. Alors nous voilà prêts pour notre deuxième journée pour notre aventure. Nous allons en direction Angers, mais avant on va prendre un bon petit déjeuner pour prendre plein d'énergie. Allez, on y va. Ça y est, pause petit déjeuner pour nous, pour reprendre toute notre énergie avant la journée qui nous attend. Nous voici arrivés à Angers, la 16e ville de France et la deuxième des Pays de la Loire juste après Nantes. C'est une ville très touristique car elle se situe au début de la route des châteaux de la Loire, en plein Val-de-Loire, site classé par l'UNESCO. Angers est également une ville jeune. Ses 30 000 étudiants sont répartis en deux universités et au sein des 7 écoles tournées vers l'international. Le château qui se trouve derrière moi domine le Maine et la ville actuelle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'extérieur, il s'agit d'une forteresse militaire qui date du XIIIe siècle et à l'intérieur, la cour est plus résidentielle. Le château d'Angers abrite également les tapisseries de l'Apocalypse. Quand on arrive près du château, on remarque en premier lieu les fossés-jardins qui ont été creusés dès la construction de la forteresse. Ils imposaient la limite entre la cité et le château. Cette forteresse comprend 17 tours érigées avec une alternance de schiste et de tuffeau. Leur hauteur est de 30 mètres chacune. Nous sommes actuellement dans la cité, un quartier historique d'Angers qui avait pour une fonction religieuse. Il se trouvait entre le château et la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Ici la place des ralliements. C'est un petit peu en travaux en ce moment, mais à la fin du 19e siècle, la ville se développe dans un style plus haussmannien. On voit se développer alors des galeries du type les nouvelles galeries ou bien le palais des marchands. Alors là on y va. Il faut se dépêcher parce qu'on a pas mal de retard et si on veut trouver un bon camping pour cette nuit, il faut pouvoir pédaler. Right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio?
derrière vous, il y a la Loire et je ne peux aussi pas vous le dire. Nous voilà bientôt arrivés à Saumur. En fait, nous sommes à Saumur car vous voyez à côté de nous la base militaire de Saumur. Allez, c'est parti à la recherche du camping de Saumur maintenant, parce qu'on va pas dormir ici. Hein. Nous sommes au camping de Saumur. Alors, avec toujours l'avance que nous avions hier, c'est bien pour la suite. Aujourd'hui, on a fait une grande étape. On a rusé grâce aux petites départementales et on s'est fait avoir grâce aux côtes et aux côtes. Mais demain, ça va être encore une autre histoire. Ça va être encore plus loin. Normalement, on devrait dépasser Tours. Alors, on va faire une bonne nuit. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures encore une fois. I have tried as hard as I can. I have tried to go through 9 to 5 but I...